Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, un petit tuto crochet. Alors on m'a demandé de faire un tuto sur les petits chapeaux, en sachant qu'il y a énormément de modèles. J'ai essayé de faire au plus simple et puis quand même qu'il soit simple, mais quand même joli. Donc je vais vous montrer le tuto pour faire celui-ci. Bon, là je l'ai fait en vert, mais voilà, ça présente comme ça. Petit chapeau comme ça. Après, vous pouvez le décorer comme vous voulez. Moi, là, j'ai passé un petit ruban ici dans les petits intervalles pour faire comme ceci. Donc, il y a plusieurs variantes hein, par rapport à la hauteur du chapeau. On peut faire beaucoup plus petit, voilà, qu'il n'y a pas trop d'épaisseur. Ça, c'est une autre variante. La collerette, après, vous faites comme vous voulez. La base, c'est la même. Et à la fin, vous décidez de faire ce que vous voulez. Comme dessin, ça vous voulez les laisser tout droit, continuer à faire des rangs tout droit, ou ça vous faites des brides, des demi-brides, des doubles brides. Vous faites plaisir à la fin. Et là, pareil. Donc voilà, une fois qu'on a la base, il y a différents modèles. Mais moi, j'aime bien celui-ci parce qu'il a un petit air de chabi et je le trouve plutôt mimi. Donc on va faire ce tuto-là. C'est parti pour ceci. Donc là, je vais crocheter avec du 2 pour que vous puissiez voir. Et donc ça a été crocheté avec du 2. Et pour vous donner la dimension, il fait 5 cm. Pardon. Il fait 5 cm de diamètre en crochetant avec du 2. Donc si vous crochetez avec du 0,1, il va être beaucoup plus petit. Hein. Je ne l'ai pas fait, mais voilà. Donc pour commencer, un cercle magique. Voilà. Notre cercle magique. Il vous faut ensuite réaliser 8 mailles serrées à l'intérieur de votre cercle. Donc, on pique à l'intérieur du cercle. On vient chercher son fil. On le ramène sur le crochet. Et on crochette les deux boucles en même temps. On a fait une maille serrée. Donc il faut en faire 8. Donc la deuxième, toujours à l'intérieur du cercle magique. Ah. 5, 6, 8. Ensuite, on serre le petit fil de notre cercle magique et on vient fermer notre cercle sur la première maille par une maille coulée, c'est-à-dire qu'on rentre dans la maille, chercher son fil, on a nos deux boucles, on passe la première boucle, hop, dans la dernière. On a donc réalisé une maille coulée. On a fermé notre petit cercle. C'est le haut de notre chapeau qu'on est en train de faire. Ensuite, une maille en l'air. Et on vient réaliser des augmentations. Donc, dans chaque maille, donc la première, elle est juste à côté. On pique, on vient faire une maille serrée. Dans la même maille, dans le même trou, on refait une deuxième maille serrée. Maille suivante. Maille serrée. De mailles serrées. Donc en fait, à la fin de son rang, comme on a fait 8 mailles serrées et qu'on fait 2 mailles serrées dans la même maille, on doit se retrouver avec 16 mailles serrées. Donc là, 2, 4, vous pouvez compter, ça serait que mieux. Là, on fait la cinquième maille serrée, la sixième maille serrée, toujours dans le même point. Septième, huitième. Neuvième maille serrée, dixième, onze, douze, treize,
14, 15, 16. Une fois qu'on a fait nos 16 mailles serrées, on vient fermer par une maille coulée. La fin de son petit rond. Donc là, on a nos 16 mailles. Au départ, 8. Comme on a fait 2 mailles serrées dans chaque maille serrée, on se retrouve avec 16 mailles serrées. Ensuite, on vient faire un rang, toujours de mailles serrées. Mais cette fois-ci, on va donner un petit relief à notre chapeau. Une petite bordure comme ça sur le haut. Ça fait un peu plus joli. Puis ça le construit, on va dire. Parce que si on ne le fait pas, ouais, ça ne fait pas trop joli. Alors, pour ceci, vous avez donc votre petit rond. On vient faire des mailles serrées. Mais vous voyez, normalement, on prend les mailles, on prend les deux fils en même temps. Quand on prend une maille, on prend les deux fils comme ça. Et bien, cette fois-ci, on prend le fil de la maille, mais on n'en prend qu'un, mais on prend celui-là derrière. Pas évident à montrer. Et on vient faire une maille serrée. Là, on a nos deux fils. On ne prend pas celui-là qui est devant, on prend celui-là qui est derrière. On rentre dans le fil, dans la maille derrière. Hop, maille serrée. Trois. Et on doit réaliser 16 mailles serrées sur le fil arrière, sur le seul fil. Là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, on a notre maille avec nos deux fils. On prend que le fil sur l'arrière. 5, 9, 10, 12. 13, 14, 16. Et on vient fermer par une maille coulée notre rang. Donc voilà. Ensuite, on va faire que des ronds de mailles serrées. On est là. Bon, moi je fais comme ça, hein, c'est un peu. Il y en a qui vont faire une maille en l'air. Moi non. Il suffit de compter en fait. N'oubliez pas de compter parce que après, vous allez perdre le fil. Mais si vous avez peur de perdre le fil, ben vous prenez un petit marque rond comme ça. Et puis vous le mettez là. Ça veut dire que ce sera votre dernière maille. Mais moi je compte. Mais on va le laisser. Terminer avec une maille coulée. Donc là, on va faire des rangs de mailles serrées. Donc on doit en avoir 16. Puis là, on prend nos deux brins. Évidemment. Là, donc une maille serrée. Je n'arrive pas à le prendre. Voilà. Deux. Ah. 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15,
On fait notre 16e maille serrée et on vient fermer par une maille coulée. Voilà, on a toujours nos 16 mailles serrées. Donc là, on a fait un rang de mailles serrées. On doit en faire, bah, ça dépend la profondeur de votre chapeau. Moi, en général, j'en fais 3. Donc là, on a déjà fait un rang. Donc quand on arrive là, on recommence. Une maille serrée dans chaque maille. Une, deux, cinq, six, neuf. 11, 12, 13, 14, 15, 16, donc nos 16 mailles serrées et on ferme avec une maille coulée. Donc on refait. Ah, oh, décidément. On refait un rang de mailles serrées, on se retrouve après. Donc, trois rangs de mailles serrées. Alors, on se retrouve, on a fait nos trois rangs de mailles serrées. Alors, en sachant qu'après, il faudra retourner son petit chapeau pour resserrer, là, parce que j'ai pas assez serré mon cercle magique. Vraiment, il n'y a pas de trou au milieu. Voilà. Et quand on retourne petit chapeau, voilà, on a créé le haut du chapeau comme ça. Alors ça, vous, moi je fais trois rangs. Après, si vous voulez faire plus, moins, vous n'en faites que deux pour déterminer la profondeur du chapeau en fait. Mais je trouve que trois, c'est bien. En crochetant avec du 2. Donc, une fois qu'on a fait ces trois rangs de mailles serrées, on va passer aux augmentations pour élargir notre chapeau. Alors, hop là, mince, on pique dans la première maille, on vient y faire deux mailles serrées dans le même point. Une, deux, maille suivante, on fait qu'une maille serrée. Voilà. Maille suivante, deux mailles serrées dans le même point. En fait, on augmente une maille sur deux. Maille suivante, une augmentation. Maille suivante, deux mailles serrées dans le même point. Et ainsi de suite. Là, on n'en fait qu'une. Maille suivante, on en fait deux. Maille suivante, on en fait qu'une. Deux. Une, deux, une. La dernière, on en fait deux. Et là, on retrouve nos deux premières augmentations du rang. Et on vient là, par au plat. Donc, on termine par deux augmentations, ou une, hein, ça dépend comment vous avez commencé. Et là, c'est vrai que bon, on pique. Moi, je reconnais parce qu'on a fait deux augmentations. On a commencé par deux augmentations. Donc, on vient fermer par une maille coulée juste maille là. Hop là. Alors, pour celles qui ont du mal à repérer leur début de rang ou leur fin de rang, prenez, voilà, faites-vous un repère, soit avec un trombone,
avec une épingle à nourrice ou des petits repères comme ça, spécial crochet, ou un fil, hein, si vous avez un fil et une aiguille, vous passez votre fil sans le coudre, hein, vous le passez, comme ça vous fait votre repère. Et bon, après voilà, j'ai l'habitude, donc je sais où je me suis arrêtée, où j'ai commencé. Mais c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous commencez un rang, pour être sûr, bah, hop, vous marquez votre maille, comme ça vous savez à quel endroit vous devez faire une maille coulée. Ou sinon, vous comptez. Donc une fois qu'on a fait nos augmentations, une maille sur deux, c'est-à-dire que une maille, on a fait deux mailles serrées dans le même point, la deuxième maille, une maille serrée toute seule, et ainsi de suite, tout au long. Donc là maintenant, on arrive donc à notre chapeau, ça a été augmenté. Moi, quand j'arrive ici, je fais deux mailles en l'air. Une, deux. Et je viens fermer par une maille coulée. Donc je compte une maille, deux mailles, je passe une maille, je vais dans la deuxième. Et je viens fermer par une maille coulée. Voilà. Je refais deux mailles en l'air. Une, je passe une maille, je vais dans la deuxième. Une maille coulée. Une, deux, je passe une maille, je vais dans la deuxième et je viens faire une maille coulée. Et ça va vous donner, on ne voit pas trop bien, mais des petits intervalles comme ça. Pas bien, 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 comme c'est que deux mailles. Après, si vous voulez en faire trois, hein, trois mailles en l'air, passer une maille ou deux mailles, vous faites comme vous voulez pour faire votre petit dessin de fin de chapeau en fait. C'est à vous de combiner, d'inventer. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Alors, une, deux. Il y a tellement de modèles que. Ah, on passe une maille. Coulée. Voilà, deuxième. Une, maille. Donc, on se retrouve avec plein de petits trous comme ça. Donc deux mailles en l'air, on passe une maille, on fait une maille coulée. Deux mailles en l'air, on passe une maille, maille coulée. On se retrouve à la fin. Alors, quand on a fait notre rang de deux mailles en l'air, on passe une maille coulée. On arrive donc à la fin de ce rang-là et on vient piquer. Donc on retrouve notre premier intervalle ici. On vient piquer à la base de ce petit intervalle-là par une maille coulée. On a fini ce rang-là. Ensuite, premier espace, donc premier intervalle. Ici, je viens faire une maille serrée. Donc, je pique dans l'intervalle, dans le trou, chercher mon fil et je fais une maille serrée. Ensuite, un jeté, toujours dans l'intervalle, dans le trou, je viens faire une demi-bride. Demi-bride, c'est, je rappelle, trois mailles sur le crochet et on crochète les trois mailles en même temps. Un jeté, on vient faire trois brides dans le même espace. Trois, on a fait nos trois brides. Un jeté, une demi-bride, toujours dans le même espace. Que crochette les trois mailles en même temps et on vient terminer avec une maille serrée toujours dans le même espace. Voilà. Dans chaque espace, donc espace suivant, une maille serrée, une demi-bride, trois brides. J'ai un peu de mal. Alors, une. Une demi-bride et une maille serrée, toujours dans le même espace. En fait, là, le dernier rang, on va travailler dans tous les petits espaces qu'on a créés avec nos deux mailles en l'air. Donc, dans chaque espace, une maille serrée, une demi-bride, trois brides, une demi-bride, une maille serrée, c'est-à-dire
commence tout doucement, on remonte et on redescend. Une maille serrée, une demi-bride, trois brides, une demi-bride, une maille serrée. Et on a formé notre petit truc comme ça, enfin, une petite arcade. Donc j'en refais une encore avec vous et après on se retrouvera à la fin. Donc, dans chaque espace, une maille serrée. Donc on pique dans l'espace, hein. Une maille serrée, une demi-bride. Donc une demi-bride, hein, c'est trois boucles sur le crochet. On crochète les trois en même temps. Une bride, toujours dans l'espace. Une bride, on crochète les deux premières, on crochète les deux dernières. Donc deux brides. La troisième. Une demi-bride. Là, on redescend. Une maille serrée, toujours dans l'espace. Voilà. Et on se retrouve donc à la fin. Une maille serrée, une demi-bride, trois brides, une demi-bride, une maille serrée. On se retrouve. Alors, quand on arrive à la fin de son rang, on a fait une maille serrée, une demi-bride, trois brides, une demi-bride, une maille serrée. Là, on a fait donc dans notre dernier espace, il ne nous reste plus que notre maille serrée. Donc, on va s'en servir pour fermer notre rang. Notre maille serrée, on vient la faire Oh, mais j'ai du mal. Ah, oh, le truc qui s'est défait. Ça, j'adore. On vient la faire ici. Vous vous rappelez la première maille serrée qu'on a fait dans le premier espace? On vient piquer dedans. Et on vient faire une maille serrée. Voilà. Un ciseau, évidemment. Hop là. Un ciseau, on coupe, on cache nos fils. Donc voilà, des petits chapinous. Après, ça vaut le décorer. Hein. On peut mettre là, le recourber comme ça et mettre une petite fleur. Ça fait un petit chapeau un peu comme ça. On peut y passer un ruban très fin, parce qu'il vous reste encore un peu de place dans les petits espaces qu'on a créés avec nos deux mailles en l'air. Ça fait un peu comme le vert là. Voilà, c'est là que j'ai passé le ruban. Ça. Ou alors, si vous trouvez que c'est pas assez large ici, vous pouvez rattaquer, continuer avec des mailles. C'est-à-dire, vous avez fermé là par votre maille serrée. Si vous trouvez que c'est pas assez grand, eh ben vous piquez dans la maille suivante. Hop, maille serrée. Vous refaites, voilà, un rang. De mailles serrées. Ça va vous élargir votre largeur de chapeau. Donc moi, je trouve que comme ça, c'est bien. Donc là maintenant. Bon. Pas pris le bon ciseau. Voilà. Forcément, hein, il faut le remettre en forme. Un peu ménage. Vos fils, là, une aiguille, vous le cachez sur l'arrière. Le fil cercle magique, vous resserrez, mais vous pouvez le couper, c'est pas gênant. Voilà notre petit chapeau. Une des variantes, parce qu'après, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Admettons, quand on arrive ici, vous n'êtes pas obligé de faire deux mailles en l'air, une maille coulée, deux mailles en l'air. Mais moi, j'ai fait ça pour pouvoir avoir des petits espaces et puis pour pouvoir y rajouter des petits rubans, mais des rubans fins, hein, des 0,5. Des petits rubans, des petits fils ou voilà, pour faire un peu de déco. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez directement faire toutes vos brides et demi-brides. Ça fait comme ça en fait.
Voilà. Là, c'est les. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Oh, excusez-moi pour cette petite interruption, une petite visite. Donc, on l'avait donc fini son petit chapeau qui se présente comme ceci. Donc voilà, je vous disais qu'il y avait différentes façons de le terminer. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas faire ce côté un peu froufrou, vous continuez en maille serrée, voilà, tout le long jusqu'à temps que vous obtenez la longueur que vous désirez. Ou avant de faire donc les deux mailles en l'air, la maille coulée, pour faire des espaces pour y mettre les brides, on peut, admettons, faire que des brides, que les brides. Par exemple, on va faire, je sais pas, 4 brides, une maille serrée, 4 brides, une maille serrée, 4 brides, une maille serrée. Ça donne un peu l'effet comme ça. Voilà, tout simple. En fait, c'est à vous. Vous décidez, en fait, c'est à vous de créer, de faire, si vous voulez faire des jours, à jourer, vous faites comme vous voulez pour décorer la fin de votre chapeau. voilà, je vous ai montré le modèle là, mais en fait, vous avez maintenant le support, le haut. Et une fois que vous arrivez là, après vos augmentations, vous faites ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Donc là, le modèle que je vous ai montré, donc voilà, j'ai donc les fils. Exemple, on peut prendre un petit ruban, on peut très bien le coller là, pour donner un petit effet comme ça. Voilà, faire un petit faux derrière. Ou alors, prendre une aiguille. Là, comme je vous disais, comme on a fait des espaces, il nous reste encore de la place. Prendre son aiguille et passer. Voilà. Ces espaces. Le petit ruban. C'est du ruban en 0,5, du ruban ou une ficelle ou un bout de laine d'une autre couleur, comme vous voulez. Faire sortir comme ça. Hop. Passer un petit ruban comme ça pour vous décorer votre petit chapeau. Là, soit vous laissez comme ça. Point de colle, vous laissez vous couper, vous laissez pendre comme ça une petite fleur là, ou tout simplement y faire un petit flot. Alors, si j'y arrive, hein, c'est pas trop ma spécialité, ça. Faire un petit flot. Donc voilà votre petit chapeau. Alors, je trouve que ça finit bien avec un petit cordon quand on le passe. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci. Celui-ci. Donc à vous de choisir la hauteur de la profondeur de votre chapeau. À vous de choisir comment vous le terminez. Voilà. Vous avez la base pour faire plein plein de modèles de chapeaux. Voilà. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye!